Merci Christophe. Bonjour à tous. Alors, c'est peut-être pas la peine qu'on se présente, notre équipe, parce que c'est un vrai tournoi de je sais pas, de football. Il y a des équipes. Donc, nous sommes trois. Il y a Lamine Imbé, qui est doctorant, qui a des petits problèmes de visa et donc qui est un peu en retard, qui est administrateur civil au ministère des Mines au Cameroun. Achim Gonza, qui vient d'être présenté et qui est un ami aussi, c'est une super qualité, hein, je trouve, et moi-même. Donc, on est très heureux, on disait ça avec Achille ce matin, d'être à la Mecque. On a fait le voyage à la Mecque, c'est-à-dire en fait la Mecque de l'acceptabilité sociale. C'est une vraie catégorie qui se construit ici, donc vraiment, on est content d'être là. Alors, on va être très, très concret. On va simplement essayer de vous montrer ce qu'on essaie de faire. On a un petit peu travaillé pour construire ce projet de recherche. On va le faire, si on peut, avec le bruit de la... Mais je ne suis pas sûr qu'on va y arriver. Très simplement, on va commencer par un petit cas pour situer le problème. Et puis, ensuite, quelle méthode on essaie de construire pour résoudre le problème. C'était une annonce de plan. Vous l'avez tous remarqué. Et c'est incroyable, en deux parties, ça, c'est fou ça. Donc le cas, c'est le cas de la Montagne d'Or. Alors ça commence en 2011. C'est un projet d'exploitation à ciel ouvert d'une mine d'or en Guyane française. C'est une société française, la compagnie minière française Montagne d'Or, mais elle est détenue à presque à 50-50 par des Russes et Columbus Gold Corporation, qui est une compagnie canadienne. Alors, 2011, premier forage, 2014, étude de faisabilité, 2016, demande de renouvellement de permis, et c'est là que ça se complique, parce qu'on a, en fait, très rapidement, une coalition mondiale d'ONG, mais en fait, qui est très locale, hein, qui n'a qu'un but, c'est mettre fin, en fait, à ce projet. Alors, la conséquence, ça a été quoi ? Ça a été la création d'une commission nationale du débat public, une commission particulière de la commission nationale qui s'est déplacée et qui a organisé un débat public en Guyane avec l'ensemble des partenaires sociaux, ce qui pose un vrai problème, la définition. La solution de l'histoire, c'est en mai dernier, nous avons notamment Emmanuel Macron qui était très favorable au projet, qui tout d'un coup nous dit que ce projet manque d'ambition environnementale et pose des problèmes en matière de biodiversité. L'expression est intéressante, ce qui veut dire en gros que le projet pour l'instant est mort. Donc c'est un très beau exemple de linéament entre la question de l'acceptabilité légale, c'est-à-dire la licence légale, et la licence sociale. On voit bien que là, ça se chevauche d'une façon particulièrement forte. Alors, qu'est-ce qu'on peut en penser de ce cas ? Voilà, ça y est. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en penser ? Je pense qu'il faut simplement laisser la commission du débat national dire ce qu'elle en pense. C'est la mieux placée. Et elle nous dit, au fond, premier problème, il y a un vrai problème qui se pose aujourd'hui pour organiser un débat. C'est-à-dire que les communautés sont très, en fait, peu désireuses de participer au débat, ce qui est assez nouveau. Mais c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Et deuxièmement, elle a fait quand même le constat que l'opérateur minier n'était pas du tout au fait des pratiques de consultation sociale. Et elle dit que voilà, c'est peut-être que les deux problèmes sont liés, semble-t-elle esquisser. Ce qui nous amène, alors là, je crois qu'il faut faire quelque chose avec cet ordinateur, saisir mon... En haut à droite, il y a une flèche. Tu veux que je fasse ça ? Oui. Ok. Voilà. Attends. Tiens, je te laisse faire, c'est gentil. Alors, c'est là. Voilà. Bon, en fait, ce qui est probable, c'est que si on fait l'analyse, c'est qu'il y a vraiment un décalage entre le droit positif, notamment français, c'est l'ordonnance de 2016, sur ce qu'on pourrait appeler en fait l'évaluation environnementale, c'est-à-dire en fait la consultation et la prise en compte des avis des populations.
Et c'est un vrai décalage avec ce qu'on pourrait appeler l'émergence d'un droit transnational de l'acceptation sociale. Et je pense que le panel international des ressources, le PIR, du programme environnemental des Nations Unies, il va vers l'idée qu'il faudrait en fait créer une norme mondiale d'acceptation sociale. Et voilà, ça y est, c'est en route. Mais quand on regarde l'ensemble de l'état de l'art de la recherche internationale, mais aussi des travaux de l'ONU sur cette question, ben, l'idée, ce n'est pas du tout de la consultation, c'est plutôt de la co-construction. Voilà, et je crois que là, on a notre hypothèse de base. Et notre hypothèse de base, notre problématique, ben, c'est comment élaborer une méthode d'acceptation sociale qui serait fondée sur, en fait, la co-construction du contrat. Je crois que c'est vraiment, on en est là. On fait un petit résumé de beaucoup de gens qui se sont un petit peu creusé la cervelle sur cette question-là. Mais comment faire? Effectivement, comment faire? Et je pense que là, on peut innover. On peut innover. Je pense que notre grande idée, c'est de dire on peut peut-être, en fait, capitaliser sur deux sources de savoir, des champs scientifiques, des compétences. D'abord, celle des sciences sociales, parce qu'après tout, c'est bien que les juristes... il faut objectiver, il faut être un peu sérieux. Hein, les sciences sociales, elles sont plus sérieuses souvent que les juristes, excusez-moi de le dire, parce qu'elles doivent justifier leurs avis. Bon. Et il y a notamment l'analyse des controverses de Bruno Latour. C'est une technique quand même bien rodée aujourd'hui, qu'on pourrait utiliser. Il y a une deuxième champ de savoir, c'est celui qui est plus le mien, celui du droit transnational. Puisqu'au fond, ce droit qui se caractérise par le fait qu'il est créé par les grandes entreprises transnationales, eh bien, c'est quand même quelque chose qui est probablement la grande nouveauté du droit international du siècle, et que c'est des techniques particulières, et qu'en mélangeant les deux, peut-être qu'on peut un petit peu innover. Alors, c'était la fin du premier point. Voilà, quelles sont, au fond, les grandes questions qui se posent, qu'il va falloir résoudre. Deuxième point, alors, comment est-ce qu'on pourrait... construire ensemble une méthode de co-rédaction du contrat. Et là, je pense que, comme toute mesure d'écart, on peut essayer de faire ça en trois temps. Je crois qu'un premier temps, c'est la construction d'un cadre d'évaluation des discours et des actes. Des discours des compagnies minières, des discours aussi des populations locales. Il faut établir un cadre normatif qui va être le cadre d'analyse. C'est ça, être un petit peu scientifique dans les sciences sociales. Un référentiel de ventilation, d'abord, je pense que c'est important, un référentiel de ventilation des bonnes pratiques. Alors, comment établir ce référentiel de ventilation? Moi, j'ai pris, au fond, un référentiel que j'ai construit pour rédiger des contrats, mais aussi pour analyser et évaluer des contrats, que vous trouvez exprimé notamment dans la revue critique des contrats pétroliers et gaziers sénégaliens. C'est de dire, bon, tout contrat et toute activité extractive, on pouvait le couper en trois. C'est comme ça que c'est écrit d'ailleurs dans les contrats. Ça commence par quoi? Par des clauses relatives à la gouvernance. Après, c'est des clauses relatives à l'opération industrielle. Et après, c'est des clauses relatives à l'équilibre économique. Et enfin, bon, c'est l'espace normatif, loi et les boilerplate, loi et mode de résolution des litiges. Donc, en partant de ce cadre, je pense qu'on va pouvoir ensuite nourrir ce cadre. Nourrir ce cadre, au fond, c'est aller à la recherche des bonnes pratiques. Je pense que là, il y a un grand champ, et ça, c'est un grand champ que les universitaires ne doivent surtout pas faire tout seuls. C'est pour ça qu'on est une équipe. C'est de dire, c'est quoi les bonnes pratiques? Quelles sont leurs sources? Alors, vous avez les sources de la SFI, parce qu'après tout, c'est pas l'unique... les entreprises ne sont pas l'unique source, et les entreprises utilisent elles-mêmes ces sources-là pour construire leur réglementation interne. Il y a bien évidemment les bonnes pratiques, qui sont les bonnes pratiques des organisations, des entreprises extractives elles-mêmes, hein, ICMS, etc., IPN aussi, qui sont quand même à la source de textes qui sont extrêmement utilisés. Hein. Et puis, bien évidemment, vous avez les best practices des entreprises qui sont extrêmement importantes. Bon, ça semble assez évident. Après, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Je pense que c'est très important d'aller plus loin. Parce qu'il y a une transformation des due diligence. Il y a tout ce qui arrive du point de vue financier qui va transformer profondément les due diligence d'entreprises, notamment du secteur extractif, dans les quelques années. Et qui va générer un contentieux important. Donc je pense que ça fait partie du framework qu'il faut introduire. Il y a toute une réflexion à faire là-dessus. Mais peut-être que, et si, quand un professeur de droit dit peut-être, ça veut dire qu'il est certain que si, peut-être qu'il faut introduire aussi un autre framework, c'est celui des due diligence, des obligations
qui sont en train de se construire de vigilance en matière extractive, puisque là, c'est une source de contentieux. Et là, c'est aussi quelque chose qui va être construit par le juge en ce moment. Ça veut dire quoi ? C'est au fond un cadre, la bonne entreprise extractive. C'est cette idée de bonne pratique qui va être construite, ce qui veut dire que les entreprises extractives, en constituant ces bonnes pratiques, vont permettre de construire le cadre d'appréciation de la bonne pratique par le juge. Ça, c'est un point qui est quand même super important. Deuxième temps, bon, ok, on a notre cadre, maintenant on peut, sur le terrain, concrètement, aller voir ce qui se passe, essayer de comprendre les discours pour voir quelles sont les demandes. Là, on a pu le faire, on a fait un travail préparatoire, puisqu'on a l'ensemble des débats de la commission, vous pouvez l'avoir sur le net, on a aussi les verbatims, ce qui nous a permis de faire d'abord une analyse quantitative. C'est-à-dire, en fond, quelles sont les vraies demandes ? C'est quelque chose, on se demande vraiment, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, les gens qui sont impactés. Et c'est là que les techniques des sciences sociales sont importantes, puisque pour eux, c'est vraiment basique, quoi, l'analyse de discours. Et c'est quelque chose de très simple à faire. Mais ça nous permet de faire ça. Et ça, c'est l'arbre thématique des discours. Et cet arbre thématique, vous voyez, que fait apparaître un certain nombre de grands thèmes. Et alors ça, c'est super intéressant parce que, surprise, c'est pas du tout ce que notre président Emmanuel Macron nous annonce. La question de environnementale au sens strict et de la biodiversité n'est pas abordée par les partenaires. Ils abordent d'autres questions. Ils abordent la question de l'empreinte environnementale, vous voyez qu'on fait des sous-arbres. Ils abordent la question du respect de la culture locale, de la sécurité des personnes, la santé, c'est très important pour eux, le besoin d'information aussi. Ce qui veut dire qu'au fond, on a l'idée d'expression d'une défiance, mais le désir de se rattacher à un cadre, vous voyez, on est loin de ce qu'on pense que les populations locales souhaitent. Alors, ce caractère équitable du débat aussi, finalement, c'est des choses qui revenaient tous ans. L'important de cette analyse, c'est qu'on peut ensuite en faire une analyse qualitative, quantitative, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important en réalité de tous ces thèmes. Et on peut dire vraiment le débat, ce qu'ils veulent vraiment, c'est ça ou ça. Et ça nous permet aussi de faire un arbre des acteurs. Ce qui est encore une question essentielle, qui sont les véritables acteurs, autrement dit avec qui il faut négocier, avec qui il faut faire des accords, avec qui il faut faire des propositions. Et c'est au fond le cadre du contrat et de votre construction du contrat. C'est une question très très simple, mais très concrète, très importante, avec qui on va négocier en fait votre accord. Ce qui arrive au fond au troisième temps, maintenant on est armé pour faire des propositions concrètes. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir les différentes best practices. On confronte les deux temps. On confronte ce que souhaitent les personnes avec ce que c'est une bonne pratique. Là, on a un certain nombre de bonnes pratiques d'entreprise qui nous permettent de dire, notamment ces accords que tu évoquais, on a fait tel type d'accord, tel type d'accord, tel type d'accord. On a comme une banque de solutions que les lawyers sont dans leur entreprise, mais là, c'est plus important. On a, pareil, on peut aller voir la façon dont la CMM organise la réponse à ce que l'on souhaite. Ça va assez loin dans l'organisation des modes par exemple, de pratiques, des litiges, d'associations des populations locales, puisqu'on voit bien que c'est ce qui pose problème en fait en Guyane. Mais bon, ça nous permet surtout de faire des propositions concrètes. Alors, je prendrai juste un exemple, c'est que ce qui fâchait beaucoup, c'est par exemple la remise en état, la peur sur la remise en état et la défiance énorme de la remise en état. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On regarde des good practices de ICMM et on dit, écoutez, pourquoi ne pas faire un trust dont les trustees soient en partie des représentants d'eux ? Parce que c'est eux qui vont s'occuper de la remise en état et que ce soit les communautés qui supervisent cela, ça fait sens. Et donc, il y a de l'ingénierie juridique qui peut se faire, juste adaptée à la demande. Et puis, on peut aller un peu plus loin, puisqu'une autre question, c'est la question des local content. Et notamment, c'est de dire, est-ce que ce modèle d'association ne pourrait pas le construire aussi pour le fonds vert, c'est-à-dire en fait un fonds qui est dédié au développement local de la population locale. Et donc on voit quelque chose comme une réponse, une co-construction du contrat, confortement adaptée à la demande locale, parce qu'on voit que la demande en Guyane, c'est la défiance, c'est pas on veut de l'argent, on est très très défiant de votre histoire. C'est quelque chose qui capitalise sur une
tradition extractive et des travaux, celle des cabinets d'avocats, celle des grandes entreprises qui ont déjà été confrontées et qui ont donné des solutions. Voilà. C'est un peu une espèce de réflexion que je voulais vous montrer sur comment est-ce qu'on pourrait aborder des best practices comme mode de résolution de conflits extractifs. Et Achille va continuer sur ce qui lui tient très à cœur en ce moment, c'est-à-dire un petit peu justement le local content. Dans le prolongement de ce que Gilles a expliqué, le local content, c'est un des instruments pratiques pour mettre en œuvre toute la méthodologie qu'il a développée. Pourquoi le local content s'invite dans cette question? Premièrement, pour une raison, c'est que les modèles de local content sont souvent élaborés par des entreprises indoor. L'entreprise dit « moi, je vais faire ci », elle ne s'entend pas avec tout un ensemble d'acteurs et l'État pour définir qu'est-ce qui sont exactement les besoins qui rendraient son projet acceptable. Résultat, ça entraîne une double frustration. L'entreprise pense qu'elle a dépensé beaucoup d'argent pour former des gens ou soutenir des projets. Les populations considèrent que l'entreprise est venue finalement et n'a rien apporté. Alors que si on adopte cette approche de co-rédaction où justement en amont du projet, il y a une discussion qui permet de définir l'axe, les orientations, les attentes et les défis, à ce moment, on peut élaborer une méthodologie de travail à la fois de rédaction, mais de suivi et d'évaluation périodique du projet. Résultat, en période de négociation, on n'a pas le problème de la Guyane. Parce que avant qu'on arrive à la fin, on a déjà anticipé, on a posé les problèmes, on a discuté des questions et on a envisagé des solutions. Résultat, cette co-construction, en fait, permet un cercle vertueux du win-win. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un modèle conçu par deux négociateurs, État généralement et l'entreprise, on a un troisième qui, sans être au sens juridique du terme parti au contrat, est invité dans la négociation, de sorte que tout ce qui va être mis comme programme pour l'emploi des locaux n'est pas simplement défini tel que l'État ou l'entreprise le voit, mais tel que cela puisse rendre le projet conforme à la bonne marche du dit projet avec les populations. Et dans ce cadre-là, c'est là que la co-rédaction révolutionne aussi les catégories juridiques dans la mesure où la partie prenante devient un acteur majeur du contrat alors qu'elle n'en est pas signataire. Et ce qui entraîne dans la rédaction et en termes de responsabilité et des actions qui peuvent être mises en place, une vigilance particulière dans la rédaction. Donc je pense qu'on a vraiment une matière sur laquelle on peut apporter beaucoup de choses. Oui, on peut apporter, mais en fait, on apportera ce que les entreprises et les partenaires apporteront aussi. Donc en fait, c'est une... Disons, on va rendre ce qu'ils nous ont donné. C'est une co-construction de la recherche, au fond, comme c'est un peu en phase avec notre objet, puisque notre objet, c'est la co-construction du contrat. Voilà, je suis désolé d'avoir fait une blague à la fin, parce que...